La chronique équipement est présentée par Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan, maintenant à Belle-Oeil et au quartier d'Estrampes. À la chronique équipement, aujourd'hui, on va parler de putter. Jérémy, il en existe de toutes les sortes, de toutes les grosseurs, de toutes les longueurs. On a trois modèles différents aujourd'hui à discuter. En fait, c'est trois marques connues. On a bien sûr un modèle offert chez TaylorMade. De cette année. Dans ma main droite, j'ai un Ping également, des modèles très populaires. Puis t'as l'incontournable, le Scotty Cameron. Ça, c'est le modèle Phantom qui a été mis de l'avant ces derniers mois par des golfeurs bien connus, des gagnants du PGA. Des gagnants, oui. Justin Thomas vient de gagner le PGA Championship. Donc, c'est un excellent putter. Parle-moi-en donc, puisque tu l'en mets. Oui. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Écoute, c'est une tête qui est quand même très pesante. Donc, c'est ça qui fait la spécialité de Titleist, les Scotty Cameron. Il n'y a pas d'answer, mais ça reste quand même un feeling tout simplement exceptionnel. On n'a pas besoin de donner beaucoup, un gros coup pour se rendre à l'objectif. Je remarquais, si tu montrais la semelle, il y a deux poids ici, j'imagine, qui sont interchangeables. Oui, c'est interchangeable, exactement. Là, c'est des poids de 15 grammes, mais c'est interchangeable, puis ça va jusqu'à 25, comme on le veut, en fait. Donc, absolument. Ça se commande sur Scotty Cameron directement. D'autres magnifiques, moi j'appelle ça là, des œuvres d'art. Des blades. Des belles blades. Moi, c'est plus mon genre de putter dans la vie. J'ai malheureusement jamais eu de ping, mais c'est le genre de putter que j'aime en termes de sensation, de forme de tête. Oui. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce modèle-là? Écoute, le PLD, le nouveau PLD, ce qui est le fun, c'est que justement, c'est une blade. Moi aussi, j'aime bien les blades. Le feeling de ce putter-là est très, très, très mou à l'impact. Joaquin Niemann, sur le PGA Tour, l'utilise. Je l'aime beaucoup. Acier inoxydable. Oui. Très, très bon putter pour vrai. Offset un petit peu. Et si on veut sortir un peu des sentiers battus, puis en même temps aller vers, je ne sais pas si c'est une mode, une tendance, des putters avec une forme plus ou moins habituelle ou conventionnelle, si exactement, tu permets l'expression, on offre celui-là chez TaylorMade. Le nouveau putter GT de TaylorMade, il l'offre en différentes couleurs. On l'a en rouge, on peut l'avoir en all black, ou on peut l'avoir en gris aussi. Oui. Il y a deux, on voit comme il y a deux petites oreilles derrière le bâton. Exact. Ce qui fait ça, c'est que dans le fond, quand on va frapper notre balle, peut-être plus sur le bout ou bien sur le talon, on va moins le sentir parce que le poids va être réparti sur les extrémités du putter. On va moins sentir qu'on ne l'a pas frappé à plein cœur. Exactement, c'est ça. Hein. Et ce putter-là a un answer, bien évidemment. Donc, plus de feeling justement. À la poche de la balle. Puis j'imagine que ces deux barres-là ici nous aident aussi à optimiser notre alignement. Exactement, plus de stabilité, comme on peut dire. Ah, c'est intéressant. Ouais. Alors, pour ce qui est des putters, quel conseil donnes-tu quand c'est le temps de magasiner? Parce que moi, personnellement, c'est tout le temps une question de sensation, de comment je sens le ballon de celui-ci. Exact. Tu dirais à un client de regarder vers quoi? Ben moi, quand les clients viennent ici pour magasiner un putter, c'est sûr que je leur dis essayez-en quelques-uns, essayez-en plusieurs. Ouais. Potez quelques balles avec des trous. Vous allez voir lequel est le meilleur feeling pour vous. Pas nécessairement le meilleur qui va être bien pour vous. T'sais. Ça fait qu'il faut essayer des putters, c'est très important. Il y en a qui vont jouer avec des mallettes, des putters un petit peu plus gros. Ouais. Il y en a qui vont adorer les blades, comme toi, tu adores les blades. Ça fait que c'est vraiment une question de l'essayer. Il y en a qui vont aimer ça plus léger, comme il y en a qui vont aimer ça plus pesant. Oui, puis absolument. Puis je veux dire, il y a des tiges qui ont 34 pouces, donc 33. Exactement. 33, les longueurs 34, varient 35. Selon la physionomie des personnes. C'est exactement ça. Merci. Ça me fait plaisir.